Bien, merci à vous tous de m'avoir rejoint pour terminer cette journée de la semaine Afrique 2020. C'est passionnant, le sujet. On garde toujours les meilleurs sujets pour la fin, donc je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, mais c'est exactement ce qu'on va faire. Je m'appelle Kemo Camara, je serai votre modérateur aujourd'hui. Autour de moi se trouvent des invités d'exception et on va concentrer nos débats sur la diaspora, la diversité, l'inclusion du point de vue de la diaspora. Voilà, c'est un sujet qui me passionne. Avant de commencer nos discussions, avant de présenter les différents invités, nous avons l'occasion d'entendre quelqu'un qui va nous parler par le biais d'une vidéo. Je pense que nous allons pouvoir écouter un discours de la part. Quelques instants. Est-ce que la technique est prête pour diffuser la vidéo? Allons-y. Discours d'ouverture de Madame Elena Dalli, commissaire européenne en charge de l'égalité. Les liens entre la diaspora effectués par les pays d'origine et d'accueil sont essentiels. Nous avons besoin des communautés de la diaspora pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable. La réalisation de ces objectifs est fondamentale si l'on veut parvenir à l'égalité, lutter contre l'inégalité. Il faut pouvoir apprendre des personnes qui sont confrontées à la discrimination au quotidien. C'est essentiel pour renforcer l'efficacité de nos politiques et pour être plus efficace sur le terrain. Nous sommes fermement engagés à ce que nos législations soient plus inclusives. Notre action repose sur des preuves et un processus de transparence qui inclut les citoyens et les différents acteurs. Le plan d'action européen contre le racisme adopté en septembre dernier est une illustration parfaite de la fermeté de notre engagement et de notre souhait d'entendre ceux qui sont les plus touchés. Nous souhaitons renverser la tendance de manière à ne plus tolérer le racisme et la discrimination au sein de l'Union européenne. Nous savons que nous ne parviendrons pas à ces objectifs en restant déconnectés de la réalité. C'est pour la raison pour laquelle nous allons mettre en œuvre ce plan d'action avec la participation des personnes qui ont été confrontées à la discrimination et au racisme. Et donc nous entretiendrons des conversations, des réunions avec tous les acteurs et nous allons redoubler d'efforts pour un dialogue plus intense qui comprend tous les acteurs et les personnes concernées, tels que les individus, les partis politiques, le monde administratif, les organisations sportives et culturelles. Nous souhaitons donner une voix aux acteurs de terrain qui sont les premiers concernés, qui sont exposés à ces situations. L'un de nos engagements est de nommer un coordinateur pour la lutte contre le racisme. Il sera en étroite collaboration avec des personnes d'origine ethnique différente et afin que l'on puisse entendre leur point de vue. Le plan d'action n'est pas un exemple isolé de la manière dont on souhaite inclure les citoyens dans la lutte contre le racisme et la discrimination. En novembre de l'année dernière, une note politique adressée aux acteurs clé a été rédigée. C'est un document qui contient plusieurs recommandations qui visent à reconnaître et à porter les actions nécessaires au niveau national et européen. D'autres initiatives, notamment le lancement fin juillet d'une consultation visant à promouvoir l'intégration et l'inclusion sociale des migrants et des personnes dont les parents sont des migrants. Également, la mise sur pied d'un groupe d'experts composé de personnes qui ont des origines provenant de la migration.
tous ces programmes ont pour but d'inclure les questions de migration, de demande d'asile dans les politiques de l'Union européenne. Nous travaillons depuis plusieurs années avec la diaspora pour renforcer leur participation, notamment par le biais de l'appui à des projets menés par la diaspora et également en appui et en travaillant de concert avec les gouvernements des pays d'Afrique pour aider la diaspora. En juin 2019, l'initiative avait pour but de faciliter, de promouvoir la participation des pays et de leur diaspora sur le continent, y compris avec les États membres de l'Union européenne. Les experts de la diaspora reçoivent ainsi un espace, une voix, et ce qui les rend un agent de changement et du développement. Leurs organisations sont également consultées par rapport aux défis auxquels ils sont confrontés et aux meilleures pratiques à appliquer pour améliorer les relations avec leur gouvernement. Ils sont également invités au forum annuel de la diaspora. Donc, ces communautés jouent un rôle crucial dans l'effort collectif visant à construire un avenir durable pour tous. Je remercie les organisateurs de l'événement d'aujourd'hui qui reconnaît, qui met en lumière le rôle de la diaspora, leur diversité et l'action qu'ils ont concrètement sur le terrain. Je suis certaine que ces échanges permettront de sensibiliser à ces différentes questions. Je vous souhaite des débats couronnés de succès. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Un grand merci à la commissaire, Madame Elena Dalli, pour ses mots de bienvenue et également pour les informations concernant les politiques européennes qui touchent à l'action de la diaspora. Donc, nous allons entamer les débats progressivement. On va d'abord présenter les différents invités. Nous avons autour de la table des entrepreneurs, des décideurs, des législateurs. Mais avant de creuser dans le sujet, je vais vous donner l'opportunité de vous présenter. Voilà, expliquez-nous comment vous appelez, d'où vous venez. Une minute environ à chacun. Alors, je commence par moi. Je m'appelle Kemo Camara. Je suis le fondateur d'OMEC. C'est une plateforme de la diaspora consacrée à la promotion de la diaspora africaine. C'est un plaisir pour moi d'être ici parce que c'est un sujet qui me passionne. Alain. Je m'appelle Alain Kourikier, je viens du Burundi, je vis aux Pays-Bas. Je suis le fondateur et PDG de Wagency, c'est une plateforme d'investissement. Alors, ce que l'on fait, on facilite les investissements avec la diaspora. Nous travaillons sur des projets pilotes au Burundi notamment. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous, Aurélie. Donc, je m'appelle Aurélie Mouloa et je suis actuellement à la ville gestionnaire de communauté et de communication pour un incubateur d'entrepreneurs. Et j'ai récemment fondé un réseau qui s'appelle Belgien Entrepreneur et qui a pour but de mettre en avant des profils de femmes noires entrepreneurs de Belgique, du nord au sud, dans toutes les langues, de tous les pays afro-descendants. Merci beaucoup. And the next. Ensuite, nous avons Marie, Maria Renoir. Je suis eurodéputée, Maria Rena, et je suis présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, et notamment également le comité pour l'environnement. Et je suis ravie de faire partie de ces différentes commissions et ici également, car au début de la semaine, cette réunion-ci est consacrée d'emblée. Et il est vrai que la diversité de la diaspora est cruciale et nous avons énormément de diversité en Europe. Beaucoup pensent que la diversité est une menace, mais en fait, c'est le contraire, c'est tout le contraire. Il faut le dire haut et fort et promouvoir la diversité. Bien, vous vous êtes au bon endroit pour parler de diversité. Alors, les trois invités autour sont présents ici. Nous avons également d'autres invités en ligne. Aboubacar Soumaharo et également Madame Anne
Anne, pourriez-vous vous présenter très brièvement, expliquer un peu ce que vous faites? Monsieur Aboubakar est peut-être en ligne. Vous êtes là? Ok, merci. Vas-y. Ok, c'est Aboubakar Soumaoro. Je suis le président de la Ligue des travailleurs de la filière agricole depuis Ourom. C'est une organisation qui lutte pour une filière agricole saine dans le respect des droits des travailleurs et dans la perspective d'une alliance entre les paysans, les agriculteurs et les consommateurs. Thank you so much, Aboubakar. We'll get back to you. I'm looking forward to have this conversation with you. Merci beaucoup. Je suis ravie que vous soyez parmi nous. Alors, nous avons également une autre invitée. Ce n'est pas Anne, mais c'est Gertrude Lano. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Gertrude Lano. Je travaille pour l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM, pour les bureaux situés à Bruxelles. Je suis également ravie d'être parmi vous pour parler des migrations et du développement, également du rôle de la diaspora. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. D'emblée, nous allons ouvrir le débat. Alain, quel est votre avis en tant que fondateur, que PDG, qu'entrepreneur? Vous vivez en Europe depuis plusieurs années. Vous êtes très actif au sein de la communauté. Selon vous, quel est le rôle de la diaspora africaine lorsque l'on pense au développement? Merci beaucoup pour la question. La diaspora peut jouer plusieurs rôles. Le plus important, c'est les transferts, l'argent qu'on envoie dans nos familles, dans les pays d'origine. D'autre part, nous soutenons également nos pays d'origine par le biais d'un réseau d'affaires, de liens. On met en relation des entreprises locales avec des entreprises européennes, au niveau des entreprises, mais au niveau des gouvernements également. C'est un deuxième rôle que nous pouvons jouer. Et également, le partage de connaissances, c'est un troisième axe d'aide que nous pouvons apporter, par exemple, des organisations qui sont sur place, leur apporter une certaine expertise. Et puis, quatrièmement, et là, c'est mon dada, c'est l'investissement, les affaires. Lorsque je regarde les transferts qui sont envoyés, c'était de l'ordre de 4 milliards de dollars en 2018-19, c'est un chiffre qui est considérable parce que 75% de ces transferts sont utilisés pour la consommation. Donc, quelque part, on jette cet argent par les fenêtres. Nous voulions renverser la tendance et pensions qu'il valait mieux investir dans les entreprises locales, dans les petites entreprises sur le terrain pour encourager la croissance au sein des communautés. Là, c'est quelque chose dont je m'occupe. Oui, c'est un chiffre interpellant, à savoir en 2019, me semble-t-il, des milliards de dollars envoyés par les diasporas, notamment vers les pays d'origine. I'm really sorry. I think with COVID, je pense avec le COVID, je ne sais plus ce qui est le plus approprié. Est-ce que j'ai le droit d'éternuer ou pas? Donc, toutes mes excuses. Alors, passons à la suite. Donc, vous êtes, Aurélie, vous êtes une femme d'affaires. Vous avez une plateforme qui encourage les femmes à créer des entreprises. Selon vous, quels sont les exemples de réussite que votre réseau a permis de concrétiser et qui a eu un impact significatif pour la communauté? Je ne pourrais pas citer une success story parce que pour moi, toutes celles qui sont sur cette plateforme sont des success stories. Ce sont des femmes qui ont décidé d'aller au-delà des obstacles qu'elles avaient au quotidien. Donc, pour moi, rien que ça, c'est un succès.
En termes de ponts avec les communautés qui se trouvent sur le continent africain, il y a quand même un parcours en particulier qui me touche de manière plus particulière, je viens de le dire. C'est Maya Diagne qui a créé la marque Sabou et qui est une marque de cosmétiques zéro déchet qui se trouve à Uccle. Et en fait, la plupart de ces produits donc, sont en provenance du Sénégal, son pays d'origine. Et ce que je trouve intéressant dans sa démarche, c'est que non seulement elle puise ses ressources dans sa culture, mais il y a aussi un côté de rétribution qui est fait, dans le sens où elle en parle très peu. Je ne sais même pas si j'ai le droit de dévoiler son secret. Mais elle a pour ambition, avec les bénéfices qu'elle génère, d'acheter des terrains au Sénégal, aux abords des prisons pour femmes, en fait, afin que les femmes qui sont incarcérées puissent travailler dans ces champs pour récolter justement la matière première dont on a besoin, donc que ce soit de la mangue, du karité, et que l'argent qu'elles auront récolté, enfin qu'elles auront gagné, parce qu'elles gagnent leur vie en faisant ça, servirait à envoyer leurs enfants à l'école. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose qui est circulaire, et je pense que c'est vraiment de cette manière-là qu'on doit penser nos actions de création d'entreprise, pas uniquement pour du profit, mais vraiment dans un système de rétribution et beaucoup plus circulaire. Ok. Well, merci beaucoup. Thank you very much. Je reviens vers vous, je vous le promets. J'aimerais simplement donner l'occasion à nos amis qui sont en ligne de participer également. Alors, Gertrude, toutes mes excuses si j'ai écorché votre nom. Alors, en tant que personne qui travaille dans une organisation internationale, selon vous, de votre point de vue, le travail ou la participation de la diaspora africaine, quelles sont les réussites, les résultats obtenus au sein de la diaspora africaine, dans le sens où ça a eu des retombées positives en termes de développement, pas simplement en Afrique, mais également en Union européenne. Un grand merci d'avoir posé cette question. Cette question, elle est importante, parce que parfois, on a trop tendance à se concentrer sur les retombées de la migration et on se concentre sur les transferts et l'entrepreneuriat. Mais n'oublions pas que la migration a des retombées positives en Europe. Les migrants contribuent ici à nos économies. Nous sommes bien conscients que l'Europe vieillit, et sans la migration, notre démographie serait dans le rouge. Il est important que nous ayons ces migrants parmi nous. Leur contribution aux économies européennes est considérable. Alors, plaçons-nous dans la pandémie du Covid. Cela a mis en lumière l'importance des migrants dans nos économies, qu'il s'agisse de l'approvisionnement alimentaire, dans le domaine de la santé. Les migrants contribuent de manière considérable à nos sociétés, à nos économies. Il faut donc leur donner le rôle et les mettre plus en avant. Oui. S'agissant des travailleurs migrants, on les a parfois vus pour la première fois à l'image pendant la pandémie. Je ne sais pas si je peux le dire, mais il y a eu certaines carences dans les marchés, les supermarchés, où il y avait par exemple plus de papier toilette ou plus de paquets de riz. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que les migrants étaient sur place. Ils étaient là pour remplir les étagères et c'est grâce à eux qu'on a pu continuer à vivre de manière confortable. Aboubakar, sur ce sujet de la migration, vous êtes un spécialiste. Permettez-moi de revenir vers vous avec la question suivante. Dans le contexte de ce sentiment anti-migrant que l'on constate, pas uniquement en Europe, mais dans le monde, me semble-t-il, on le voit aux États-Unis et ailleurs.
quelles sont les conceptions erronées les plus flagrantes sur les migrants? Point barre, je voulais dire migrants africains, mais non. Quelles sont ces grandes erreurs dans la perception envers les migrants et en quoi cela consiste? Un défi. Pour cette occasion, je dirais que le contexte de pandémie dans lequel nous vivons actuellement a dévoilé toute une série de déséquilibres, je dirais même de mauvaises manières de fonctionner de notre société. La question liée à la situation des migrants du point de vue social, du travail, culturel, voire un processus de racisation. Un processus de racisation, je dirais de catégorisation, alimenté d'un côté par la politique de l'inimitié vis-à-vis de l'étranger, responsable des maux qui affligent la société en termes de inégalité sociale et économique. De l'autre côté, on a la tendance à une certaine approche faite de paternalisme. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il nous faut revoir d'une façon de retour à la centralité de l'être humain, que ce soit la diaspora africaine, que ce soit les immigrés en général, ils respirent l'air que respirent les natifs, c'est-à-dire les citoyens européens. On partage les mêmes préoccupations, on a les mêmes destins liés, mais au niveau des politiques, on a tendance à stigmatiser les migrants. Mais en termes d'exploitation, en termes de précarité, en termes d'incertitude vis-à-vis du présent, pour ne pas dire vis-à-vis d'un futur meilleur, nous partageons les mêmes préoccupations. Raison pour laquelle je pense qu'il faut d'abord connaître la personne qu'on a en face de soi et essayer de se libérer mentalement, psychologiquement, comme le disait Nelson Mandela, des chaînes qui nous tiennent prisonniers vis-à-vis de notre vision par rapport à l'autre. Raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, il faut penser le migrant pas en tant qu'extraterrestre. Il faut penser le migrant, la personne de la diaspora, en tant que citoyen, être humain, quelle que soit la couleur de la carte d'identité en poche ou quelle que soit qu'il y ait ou pas un titre de séjour, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un être humain. Thank you for that kind word. I will pick up on that because at the end of... Merci beaucoup pour ces propos. Et effectivement, au bout du compte, nous sommes tous des êtres humains. Un migrant est une personne, un être humain qui se déplace du point 1 vers un point 2 pour avoir un point B. Que l'on soit en Afrique, en Amérique latine ou en Europe. Et il serait bon que tous se souviennent de ce fait. Alors, Maria, je reviens vers vous à présent. Puisque vous êtes la dernière, j'ai même deux questions à vous poser. Magnifique. Alors, la première question. J'aimerais entendre votre avis sur la communauté de la diaspora africaine. Lorsque on vous dit diaspora, à quoi pensez-vous? Quel est votre avis? Voilà, c'est simplement une question d'introduction, un petit échauffement que je vous lance. Et la deuxième question est un peu plus sérieuse de la part du Parlement européen. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de politiques menées par le Parlement européen
en faveur de la diaspora africaine ou de la diaspora en général. Mais je vais parler en français, comme ça on peut mener cet échange dans les deux langues. Eh bien, je pense que c'est les personnes qui nous voient, qui nous suivent en ligne, parlent aussi bien le français que l'anglais. Donc, pour être voilà. Pourquoi est-ce que nous avons aujourd'hui des populations d'origine africaine en Europe? Je pense qu'il faut revenir à ça. C'est pas maintenant, c'est pas d'aujourd'hui. C'est tout simplement parce que l'Europe a colonisé l'Afrique et que par cette colonisation, il y a eu des mouvements qui étaient des mouvements, je dirais, d'échange avec l'Afrique dans l'histoire. Et donc, les populations d'origine africaine qui sont là depuis 3-4 générations viennent effectivement du fait que les Européens sont allés en Afrique. Donc, les premiers à être allés quelque part, ce ne sont pas les Africains à venir en Europe, c'était les Européens à aller coloniser l'Afrique. Première chose, je pense que c'était important de rappeler l'histoire parce que souvent, quand on parle de l'Afrique, on parle des migrants. Non, l'Afrique est un territoire de richesse qui a aidé les Européens à se développer. C'est grâce à l'Afrique que les Européens sont là où ils sont aujourd'hui. Et, faut-il le rappeler, c'est grâce à l'Afrique que les Européens continuent à s'enrichir. Pourquoi ? Parce que tout ce que l'Afrique détient, que ce soit en matière de ressources, mais des ressources naturelles, dont on a besoin pour nos smartphones, pour notre électronique embarquée, pour le fer, pour le métal, pour le cuivre, pour l'or, pour tout, ça se trouve en Afrique. Et donc la richesse européenne est en Afrique. Et donc c'est un juste retour si on veut la globalisation. On ne peut pas juste avoir la globalisation des ressources, donc c'est-à-dire prendre et ne rien donner. Donc ça, c'est un principe que l'on doit avoir. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai toujours voulu travailler dans cette globalisation pour dire qu'il faut que la globalisation soit juste. Et aujourd'hui, on a tendance à scinder les choses en disant mon smartphone, je ne sais pas d'où ça vient et je ne veux pas le savoir. Vous savez, c'est comme les gens qui mangent beaucoup de viande mais qui en même temps ne veulent pas voir qu'on maltraite les animaux parce qu'ils ne voient plus où on élève les animaux. Or, moi, je pense qu'il faut savoir comment on élève les animaux pour pouvoir être plus respectueux du bien-être animal. C'est la globalisation, il ne faut pas scinder les choses en disant « je prends mon smartphone, mais je ne prends pas les personnes qui crèvent de faim aujourd'hui en Afrique ». Donc ça, je pense que c'est vraiment un premier principe qu'on doit avoir. La deuxième chose, c'est quand on parle de diaspora, de quoi parle-t-on? Alors il y a deux... Moi, je suis d'origine immigrée, c'est-à-dire que mes parents venaient du sud de l'Italie. D'ailleurs, on nous appelait les Africains parce qu'on venait de la Sicile, qui est la porte d'entrée de l'Afrique et de l'Europe. C'est vraiment le point commun que l'on a entre l'Afrique et l'Europe. Nos parents avaient la possibilité d'être dans la double absence, c'est-à-dire n'être ni belge ni italien. Donc c'est ce qu'on appelait la double absence. On ne savait pas où on était. Où on était dans la double présence. On était et belge et italien. Et pour moi, la diaspora, c'est la double présence. C'est être européen, avec tout ce que ça signifie, la citoyenneté européenne, le droit de vote, ce qu'on dit le droit de vote des étrangers, pour lesquels... Donc cette citoyenneté à part entière. Et en même temps, c'est être avec une communauté qui a dû partir, pour X raisons, mais qui maintient des liens soit avec le pays d'origine, soit avec la communauté ensemble, qui n'est plus liée à une frontière. La communauté africaine qui vit en Hollande, qui vit en Belgique, qui vit en Allemagne, qui vit aux États-Unis, on partage un futur commun lié à cette différence. Parce que oui, on reste dans une forme de différence, mais qui n'est pas une différence négative, qui est une différence positive, ce que je disais, qui est un enrichissement. Vous savez, moi je dis, si tous les matins je me levais, et que je me disais, en me regardant dans la glace, je vais rencontrer que des gens qui me ressemblent, j'irai me recoucher tout de suite, en disant, c'est pas intéressant. C'est la différence qui est intéressante. Et c'est cette différence, c'est par cette différence que cette diaspora s'organise. Donc pour moi, il faut
un, lui donner les droits de citoyenneté européenne le plus vite possible. C'est ce qu'on a vu dans l'extrait sur la question des migrants. Laisser des migrants dans des statuts qui sont des statuts de la non-dignité, c'est une catastrophe. Une catastrophe pour nous, parce qu'on ne défend pas nos valeurs, mais une catastrophe pour eux, parce qu'ils sont dans l'absence. Ils ne sont nulle part. Et donc, la première chose, c'est la question de la citoyenneté. Pour moi, elle est extrêmement importante. Et donc, à l'intérieur de l'Europe, toutes les mesures qu'on fera pour lutter contre les discriminations, et la commissaire l'a dit, des mesures d'encouragement, des mesures de lutte contre la discrimination, des mesures qui soutiennent l'entrepreneuriat différent, tout ça doit être, ce sont des mesures que l'on doit absolument soutenir. Mais en plus de ça, on doit utiliser cette compétence de la diaspora par rapport à un continent qui est un continent ami. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour construire effectivement cette relation? On l'a dit tout à l'heure, l'argent que la diaspora envoie en Afrique est beaucoup plus important que ce que l'aide au développement envoie en Afrique. Et donc, nous, on se gargarise de dire on fait 0,7% du produit intérieur brut d'aide au développement, mais les communautés font beaucoup plus. Et parfois, elles sont doublement pénalisées parce que ces communautés qui sont dans la pauvreté souvent en Europe sont dans une double pauvreté parce qu'elles doivent, avec cette pauvreté, faire de la solidarité, ce que nous ne sommes pas capables de faire en tant qu'Européens, je dirais, à part entière. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire pour aider la diaspora à mieux structurer l'aide qu'elle peut formuler aux pays partenaires. OK. You have used a lot of good. Bien, vous avez utilisé énormément de mots positifs en tant qu'expert et passionné par la diaspora. Ça m'intéresse. Vous avez parlé des aspects culturels de la diaspora. C'est vraiment très important, le capital de la diaspora. Mais si on part de l'histoire, comprendre notre histoire, d'où cela vient-il? Eh bien, je pense que pour moi, il y a un véritable besoin de sensibiliser dans les deux communautés, que ce soit dans la communauté haute, dans la diaspora. Et donc l'aspect est très important, l'aspect communautaire. Et puis comprendre le capital de la diaspora. Et c'est ainsi qu'on a commencé la discussion. On a commencé par comprendre quel est l'impact au niveau socio-économique, en tant qu'entrepreneur de la diaspora, quel impact puis-je avoir? Alain, je vais revenir vers vous et je voudrais rebondir sur cette perspective. En tant qu'entrepreneur issu de la diaspora, à votre avis, quels sont les avantages que la diaspora peut soutenir? Donc, d'abord, comment l'Union européenne peut-elle soutenir les entrepreneurs de la diaspora ici? Vous avez parlé d'investissement de transfert. Et puis, deuxième question. Comment ce support, ce soutien, cette aide aura-t-il un impact sur dans le pays? Merci. Je vais revenir pour répondre à cette question à ce que Marie vient de dire. L'aspect biculturel de la diaspora. Pour moi, c'était vraiment un défi. Pour être un défi d'être un entrepreneur issu de la diaspora aux Pays-Bas, parce qu'on n'est pas vu en tant qu'entrepreneur. On peut avoir des formidables idées, mais quand on va faire notre pitch, quand on va demander des financements, ils nous voient comme des problèmes. Il semble que nos idées ne soient jamais viables. Et donc, il y a ce plafond de verre, quelque part. On dira, ben, vous êtes bienvenu avec vos idées, il y a une aide disponible. Et puis, quand on en arrive à ce niveau-là, ben, on est toujours rejeté. Donc, maintenant, ça fait... Voilà, il y a ce plafond de verre, mais on continue à se battre. Donc, d'abord, avoir vraiment des promesses inclusives. Comprendre d'où on vient. Quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle d'aide au développement, la diaspora peut aider. Mais ici, nous ne sommes pas vus comme des experts. Nous sommes vus comme étant ici pour
profiter de votre environnement, mais notre expertise n'est absolument pas prise en compte. Ça, c'est vraiment une question d'inclusion, d'avoir des politiques égales. Je viens des Pays-Bas, et quand on va là-bas, on parle d'inclusion, on parle de diversité. C'est une histoire où je me demande parfois de quoi on parle, parce que, par exemple, aux Pays-Bas, quand on parle de diversité, on parle d'empowerment humain, pas d'empowerment de migrants. Et donc, comme je l'ai dit, il y a toujours ce plafond de verre pour tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, quand on va vers eux, quand on leur apporte nos connaissances de l'Afrique, eh bien, on ne retrouve des financements nulle part. Donc, on ne peut pas se tourner vers les Européens pour faire ce qu'on doit faire. Et puis, vous savez, c'est toujours un peu difficile, en fait. Parce que d'un côté, on veut être derrière une grande organisation, mais on n'a pas le même agenda. Nous ne regardons pas les problèmes de l'Afrique de la même façon. Et donc, c'est toujours la question de l'œuf et la poule. Est-ce que vous allez seul? Est-ce que vous allez avec un partenaire? Donc, voilà, ça, ce sont les défis auxquels je suis confrontée en tant qu'entrepreneur migrant. Alors, évidemment, il y a plusieurs recherches qui sont en cours. On parle de l'engagement de la diaspora, on parle d'entrepreneuriat dans les communautés. Quelles sont les mesures spécifiques que l'on peut prendre en disant, bon ben voilà, je ne vais pas dire qu'on doit avoir des programmes pour migrants, non, mais des programmes inclusifs. Quand il y a une candidature de citoyens européens, eh bien regardons vraiment ces entrepreneurs migrants, comment peut-on les aider? Donc, je veux des politiques inclusives, mais je veux pas quelque chose de spécifique pour les migrants, simplement une inclusion, une véritable inclusion dans les évaluations qui sont menées de ce que nous faisons. Merci. Je me tourne vers vous, Aurélie, et je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Vous êtes aussi une chef d'entreprise. Est-ce que vous avez des défis similaires à... Une des choses dont il a parlé, et je voudrais y faire écho, et je peux même utiliser ce mot dans mon réseau, nous existons, mais nous ne sommes pas vus. Et c'est ce que j'ai entendu dire à Boubacar également sur les travailleurs migrants. Avec les entrepreneurs, est-ce que vous avez ce type de défi? Quels sont les défis spécifiques que vous envisagez dans votre communauté? Parce que je pense que quand on regarde l'intersectionnalité, c'est déjà difficile d'être femme en tant que telle. Et puis, vous êtes une femme d'origine africaine. Vous avez déjà le double bagage. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut encore ajouter. Mais bon, il y a toujours un revers à la médiane. Mais non, je voudrais entendre voilà, les défis que vous avez à relever. Intersectionnalité, j'adore. Souvent, c'est un mot qui fait un peu peur, mais je pense qu'il permet vraiment d'avoir la connaissance de tout ce qui peut s'accumuler. En fait, pour ceux qui ne savent pas, l'intersectionnalité, c'est le fait d'accumuler plusieurs types d'oppression. Je tiens quand même à vulgariser ce terme-là. Donc, c'est le fait parfois d'être une femme, mais en plus d'être noire, et en plus parfois d'être, je sais pas moi, musulmane et voilée, et en plus peut-être porteuse d'un handicap. Et donc, toutes ces petites choses-là vont s'accumuler et vont faire que le chemin ne sera pas aussi facile que si on était en position de dominance totale. Donc ça c'était pour comme contextualiser. Clairement oui, en fait il y a des challenges qui se jouent pour deux choses. Enfin, vous aviez parlé du fait d'être invisible. Je voudrais revenir sur une étude qui a été faite par BIPAX, qui est donc une ASBL qui se trouve ici en Belgique, et qui a été dirigée par Mireille Tsuchi-Robert, et qui justement parlait des freins à l'entrepreneuriat chez les personnes afrodescendantes. L'étude s'appelle La couleur du risque, je trouve que c'était bien trouvé. Et en fait, il y a un chapitre qui s'appelle La couleur du héros. Et donc vraiment, c'est ça en fait. C'est que quand on pense à un entrepreneur, on va penser à Bill Gates, on va penser je sais pas moi, comment il s'appelle avec ce Tesla là, Elon Musk, enfin des choses comme ça. Elon Musk, yeah. Mais on va pas penser, pardon. Mark Zuckerberg. Voilà. Mais spontanément, c'est pas le nom de Aliko Dangote qui va sortir, par exemple, et encore moins le nom d'une femme. Moi-même, en fait, pour être honnête, je peux pas vous sortir le nom d'une femme noire entrepreneur d'Afrique. Donc clairement, on a aussi cette double invisibilité qui est là. Et en fait, ce que ça apporte comme problématique, c'est que souvent les savoirs qui sont emportés par ces femmes sont vus comme des savoirs périphériques, en fait.
quand elles vont parler de soins de la peau, on va se dire que c'est des soins de la peau pour elles. Et donc, les produits qu'elles vont développer, comme par exemple de la chantilly de karité ou des choses comme ça, on va se dire que c'est des produits ethniques. Enfin, on va commencer à coller toutes sortes de noms dessus qui vont en fait marginaliser leur expertise. C'est ce dont vous avez parlé. Et ça, c'est problématique parce que du coup, leur connaissance et la vision qu'elles ont d'elles-mêmes va être diminuée et invisibilisée. Et moi, j'aime bien les mots un peu sauvages. Et il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot d'épistémicide. C'est le fait, en fait, de c'est tuer des sciences, en fait. C'est de rendre certaines sciences, comme je l'ai dit, périphériques, et du coup, les rendre plus... les effacer au profit de sciences plus mainstream ou de connaissances plus mainstream. Et au final, on se rend compte que c'est une perte pour toutes et tous, quoi, parce qu'on va avoir tendance à peut-être plus se mettre de côté en fait en disant bon, on va développer des choses pour les nôtres, mm-hmm. les nôtres, alors qu'en vérité bon, dans la diaspora on est belge, moi je suis tout aussi belge que Pierre Paul Jacques, en fait au final je pense qu'il y a une perte qui va être généralisée. Et au-delà de ça aussi, ça fait qu'il y a une méfiance qui va s'instaurer. Enfin, on a parlé des financements, et ça, c'est un vrai problème. Je reviens encore avec Maya, qui me disait que quand elle était partie faire des démarches auprès des banques, elle a été refusée une fois, deux fois, trois fois, et au final, elle a fini par vendre son bien immobilier pour pouvoir réinvestir l'argent dans son projet dans lequel elle croit, et elle avait raison d'y croire, puisque sa boutique tourne, fonctionne, et que voilà. Et donc, on a aussi une perte de confiance qui se fait vis-à-vis des institutions aussi, ce qui est d'autant plus dommageable parce que du coup, on va essayer de trouver des manières alternatives de fonctionner, des tontines, des choses comme ça, qui vont en fait ralentir aussi les opportunités et la progression en fait des entreprises qui sont mises en place. Donc voilà. J'ai parlé de la couleur du héros, mais en fait, j'aurais pu parler de la couleur de l'héroïne. Mmh. Et clairement, on se rend bien compte que, de nouveau, en fait, ce ne sont pas les femmes qui sont vues comme étant des chefs d'entreprise, mais enfin, on connaît tous les enjeux qui sont liés aux problématiques de genre dans le milieu enfin, de l'emploi, que ce soit les écarts salariaux, les problèmes de progression. Vous avez parlé du plafond de verre. Mmh. C'est souvent un terme qu'on utilise par rapport aux femmes. Mmh. Et j'ai oublié le nom de la demoiselle qui a développé ça, mais il y a une dame qui a écrit aussi c'est pas une dame, c'est une jeune fille, elle avait 18 ans en fait, et c'était son travail de fin d'études, qui a développé un travail sur ce qu'elle appelait le plafond de cuivre. C'est ce qu'elle voulait plutôt justement associer aux personnes afrodescendantes. Mmh. Et je pense que quand on a un plafond de verre doublé d'un plafond de cuivre, les enjeux sont que doublement compliqués, quoi. Enfin, super, super. Voilà. That's a good point. And now, Aboubakar. Merci, Aboubakar. Je reviens vers vous. Si vous pouviez revenir parmi nous. Nous avons un peu développé les défis, mais que faites-vous en tant que professionnel de la diaspora africaine qui avait migré en Italie, qui avait grandi en Italie et qui avait déjà relevé énormément de défis? Quels sont les problèmes que vous n'aimiez pas et que vous avez décidé de prendre à bras le corps? Je voudrais, en tant que professionnel de la diaspora africaine, que pensez-vous? Quel rôle des professionnels de la diaspora qui sont dans la même position que vous? Que pouvons-nous faire? Pas le Parlement européen, pas l'Union européenne, pas les gouvernements, mais les professionnels de la diaspora africaine. Comment pouvons-nous imiter quelqu'un comme vous, finalement? Comment pouvons-nous vous amplifier vos actions, vous soutenir dans ce que vous faites? Je pense que la première des choses qu'il faut faire, c'est de se libérer du statut des professionnels de la diaspora. C'est la première des choses qu'il faut faire parce que c'est un thème qui a été utilisé au cours de ces années comme instrument de soumission, instrument, comme je le disais tout à l'heure, de racisation. Donc, du coup, des rendes périphériques, comme il se disait tout à l'heure aussi. Donc, il faut se libérer de ça au niveau psychologique. On est écrivain tout court, on n'est pas écrivain de la diaspora. On est sociologue tout court, on n'est pas sociologue de la diaspora. On est musicien, on est entrepreneur, on est journaliste, ainsi de suite.
il faut retourner à cette dimension de la normalité. Le deuxième thème, ça regarde la question des conditions de vie, c'est-à-dire du point de vue des droits politiques. Nous vivons dans un contexte européen et si aujourd'hui il y a des appels à candidature au sein des institutions européennes, peut se présenter toute personne ayant une nationalité de l'un des États membres. Ce qui veut dire que sont exclues toutes les autres personnes. Le droit de participation réelle. Parce que quand on travaille, quand il s'agit de payer nos cotisations, il n'y a pas de distinction. Donc, c'est un élément réel qui existe. L'autre thème, c'est de conjuguer, d'imaginer notre présence ici d'un point de vue qui soit capable d'être actif dans les différents processus. Si aujourd'hui nous avons un défi à relever et que la pandémie doit avoir enseigné à tout le monde, surtout aux politiques, on a la question des invisibles, c'est-à-dire je parle des personnes appelées sans-papiers en Europe. Comment se fait-il qu'ils existent, ils exercent des activités faites de précarité comme tant d'autres travailleurs, mais ils se retrouvent sans un titre de séjour? C'est l'un des thèmes aujourd'hui autour duquel le Parlement européen, nos institutions doivent s'unir afin d'aborder ce thème en termes de régularisation. Le troisième élément, ça regarde la question du travail de la précarité. Nous vivons dans un contexte de métamorphose du travail, fait de précarité, d'exploitation, pour ne pas dire de dérive déshumanisante de la personne. Et il y a la question du genre à l'intérieur de cette dimension. Donc, ce sont des défis qui peuvent qu'on peut relever ensemble, mais surtout si on arrive à penser notre destin, notre futur d'un point de vue commun. Parce que c'est ça, interpréter notre personne par rapport à l'existence, à la liberté de l'autre. Thank you so much. I feel like every time we go to you, you find a way to drop some wisdom. Merci, j'adore la manière que vous avez de toujours tirer un brin de sagesse. Donc, le terme professionnel de diaspora africaine, je vais commencer à y réfléchir en tout cas. Je vais voir quels sont les défis, les idées. C'est toujours bien en fait de susciter comme ça des réflexions. Ce sont vraiment des gens qui posent des questions et parfois on doit travailler ensemble, c'est la seule marche à suivre. Et comme on l'a déjà dit, on a parlé de l'intersectionnalité pour les femmes. Si on regarde le revers de la médaille, il y a aussi le pouvoir. Quand on peut le regarder du côté faiblesse, mais aussi du côté force. Et donc, voilà, je voudrais revenir vers vous. Je voudrais revenir également en ligne avec Gertrude. Bon, est-ce que je dis ce mot correctement? Ah, bravo. Merci d'avoir levé le pouce pour m'aider. Je me doutais bien que ça allait être un grand moment de solitude. Donc, parlons maintenant du côté positif de la vie. Étant issu de la diaspora africaine, malgré tous les défis dont nous avons déjà parlé ici, de votre point de vue, vous qui travaillez avec des migrants, avec la diaspora, bon, je n'ai plus utilisé le terme professionnel de la diaspora africaine pour éviter tout risque dans le reste de la session, mais quels sont les défis, en tout cas, auxquels vous êtes confrontés lorsque vous travaillez avec la communauté africaine? Merci, je pense que Aliomem
on travaille avec les communautés de la diaspora, dont la communauté de la diaspora africaine dit par différents moyens. Nous voulons connecter les diasporas pour le développement, mais nous connectons également avec les talents africains en Afrique directement, par exemple par notre projet Match. L'un des points clés, à notre avis, l'un des défis majeurs, je dirais, c'est le manque de canaux légaux entre l'Afrique et l'Europe pour permettre aux jeunes talents de migrer d'Afrique vers l'Europe. On a entendu dans ce débat que la migration peut être extrêmement bénéfique pour nous en Europe, mais aussi pour l'Afrique. La population vieillissante en Europe, les manques sur le marché de l'emploi. Et vous savez que, bon, ben, en Afrique, c'est l'inverse. La population va doubler selon les prévisions. Et d'ici 2050, il y aura deux fois autant de jeunes qui devront trouver un emploi en Afrique. Donc, il doit y avoir moyen d'avoir des bons canaux de mobilité pour le travail et de promouvoir cette mobilité entre l'Afrique et l'Europe. Et pour cela, nous avons besoin d'un partenariat entre l'Afrique et l'Europe, et nous avons besoin également de canaux légaux entre l'Afrique et le continent européen, parce que je pense qu'effectivement, que ce sera dans l'intérêt des deux. Ce que l'on peut voir actuellement, et malheureusement, c'est que les besoins de certains migrants sont remplis par la migration irrégulière, parce que le besoin de migrants est là, mais il n'y a pas les canaux légaux. Donc les migrants viennent, travaillent, mais n'ont pas les papiers pour le faire. Alors évidemment, c'est un enjeu de taille, parce que comment pouvez-vous vous attendre que quelqu'un qui n'a même pas le bon statut juridique, comment pouvez-vous attendre à ce qu'il contribue à la société et qu'il contribue également à leur pays d'origine? Donc pour nous, la première question est de savoir comment on peut promouvoir la mobilité des compétences et de la main-d'œuvre entre l'Afrique et l'Europe, et comment nous assurer qu'il y ait les bons canaux pour ce faire et les partenariats mentionnés dans le nouveau pacte pour la migration qui a été lancé par l'Union européenne. Ce pacte a une section spécifique qui se concentre sur les partenariats, et notamment les partenariats en termes de talents. Et donc je pense que c'est vraiment une initiative extrêmement intéressante qui mérite d'être explorée, parce qu'il y a beaucoup de talents et nous devons pouvoir promouvoir cet échange de compétences et cette mobilité de main-d'œuvre pour les talents africains. Donc la question est vraiment d'avoir les bons canaux juridiques pour le faire, les bons canaux légaux pour le faire, mais également permettre à ces migrants de contribuer par la diaspora à leur pays d'origine. Alors, en de quelques mots, le projet Match, c'est un projet que nous avons mis en œuvre avec le Sénégal et le Nigeria, avec différents États membres également, où nous voulons véritablement permettre aux jeunes talents africains d'avoir une première expérience de travail en Europe, dans différentes sociétés, dans différents secteurs. Et puis, comme cela, ils pourront rentrer chez eux, ramener cette expérience chez eux. Et nous pensons qu'on peut faire bien plus. On pense que d'autres initiatives peuvent suivre. Et ces partenariats des talents mentionnés dans le pacte peuvent également mener à une meilleure correspondance des compétences professionnelles et des demandes de main-d'œuvre, améliorer la mobilité, en tout cas, entre l'Afrique et l'Union européenne pour les talents. Merci. Donc, on parlait de la mobilité entre l'Europe et l'Afrique et des partenariats pour les talents. Eh bien, je voudrais revenir vers vous. J'ai deux questions. Même chose, je vais vous cuisiner. Bon, c'est un peu les mêmes. Donc, vous savez, notre session la dernière. Donc, c'est toujours la session un peu fun. Donc, à chaque fois que je me tourne vers vous, j'ai toujours plus de questions qui me viennent. Donc, tout d'abord, je voudrais que vous puissiez réagir. Vraiment, vous voulez que je réagisse? Alors, ce que je voudrais vraiment entendre au cours de votre intervention... Vous avez vous-même
une histoire d'un diaspora, vous comprenez ce qu'il en est. Vous avez parlé de l'aspect biculturel de l'histoire, les traits communs que nous avons. Vous avez vraiment très bien parlé de tout cela. Et puis, vous êtes dans une position vous-même où vous êtes dans l'antre de la décision politique. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Pour quelqu'un qui est extérieur au Parlement, on voudrait comprendre qu'est-ce qu'il se passe en coulisses. Si on doit passer une certaine politique, quels sont les enjeux, quels sont les défis, particulièrement dans ce sentiment croissant de lutte, de anti-migration? Je suis très fâchée parce que toutes les politiques aujourd'hui qui sont sur la table, et on parlait du pacte migratoire, sont des politiques qui entretiennent un mythe qui est le mythe de la dominance blanche sur le dominé noir. Et quand on parle du pacte migratoire et qu'on dit « mais on va prendre quelques Africains talentueux, parce qu'il n'y en a que quelques-uns qui sont talentueux, et on va les accepter en Europe parce que nous, les Blancs, nous sommes tous talentueux », je trouve que ça entretient un mythe. Quand on a des accords commerciaux avec l'Afrique qui permettent d'exporter des ressources, mais de maintenir la population africaine juste dans l'exploitation minière, mais surtout pas dans la transformation, où j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises en Afrique. En Europe, on ne produit pas le cacao. J'ai rarement vu un Africain d'Afrique avoir goûté le chocolat. Pourquoi est-ce qu'on ne produit pas le chocolat en Afrique? Mais parce que le chocolat, sa valeur est beaucoup plus importante que le cacao. Donc on maintient l'Afrique dans une condition qui est une condition de domination par rapport à l'Europe. Et nous continuons à faire des accords commerciaux avec l'Afrique qui maintient l'Afrique dans cette situation de domination. Donc je suis fâchée quand j'entends des Européens qui disent « nous faisons en sorte que notre relation à l'Afrique soit différente, nous allons... » Non, tout ce que nous faisons encore avec l'Afrique, c'est toujours des politiques qui sont des politiques post-coloniales et qui entretiennent cette relation avec l'Afrique. On doit changer. J'espère qu'un jour, c'est mon souhait, peut-être que je serai morte d'ici là, j'espère qu'un jour, les Européens devront migrer en Afrique. C'est mon souhait le plus profond. Ce n'est pas de continuer à dire « nous aurons besoin des Africains pour gérer le problème de la dénatalité européenne ». J'espère qu'un jour, les Européens comprendront que leur avenir, c'est le monde. Ce n'est pas l'Europe. On a encore un discours extrêmement européen, européo-centré aujourd'hui. Et moi-même, qui suis pourtant, je dirais, combative sur ce sujet, j'ai fait en 2017 un colloque et où je l'avais intitulé « How to be black in Europe ». Et un philosophe africain m'a dit « mais tu t'es trompé, tu aurais dû dire « How to make Europe black ». It's totally different, because when you say « how to be black in Europe », it's a kind of domination from the white people. Donc en fait, c'est une domination. Les blancs qui disent « vous devez être noir en Europe, vous devez être inclus ». Et donc, en fait, c'est véritablement cette pensée principale que nous avons. Et nous devons la changer. Si nous ne sommes pas prêts à la changer, ça va être le bazar. Et c'est le cas, d'ailleurs. Et c'est parce qu'on ne change pas cette manière de penser que vous laissez la place finalement à ces gens d'extrême droite d'être racistes et d'en tirer des fruits. Parce qu'ils font peur. Et si on ne change pas ça, on va perdre la démocratie parce que ceux qui gagnent là-dedans, ce sont les partis d'extrême droite. Imagine how it's going with the translators right now. Alors, je ne sais pas comment les traducteurs, les interprètes se débrouillent parce que là,
On est passé d'une langue à l'autre, ça a dû être très comique pour eux. Mais... Et voilà, c'est ça, quand on parle avec la diaspora, plusieurs langues s'entremêlent et bon, on passe de l'une à l'autre. Voilà. C'est pas très sympa pour les interprètes. Qui s'en sortent quand même tant qu'elles peuvent. Alors, de votre point de vue, vous habitez ici, vous comprenez le sentiment. Maintenant que j'ai entendu votre expression, votre sentiment, comment vous attaquez-vous à cette question au Parlement? Comment ça se passe, les débats? Eh bien, je continue à lutter. Je me bats tout le temps, même au sein de mon parti, parce qu'il faut... selon moi, changer les mentalités, même dans notre famille, même dans la famille politique. Au Parlement, quand je me lève le matin, j'ai l'impression de devoir mettre des gants de boxe parce que je vais devoir aller à contre-courant d'une pensée et qui est inscrite depuis des décennies dans nos manières de penser et il est nécessaire que nous contrebalancions cela. Il est nécessaire que nous changions cette manière de penser. Et je vais faire encore plus de politique. C'est plus encore qu'une racisation. Je pense que c'est vraiment le modèle ultra-capitalistique que l'on a créé qui crée cela. Parce que ça, l'argent est allé vers là où il allait faire le plus de rentabilité. En disant, on va aller exploiter... les ressources en Afrique parce que ça va être plus facile, on va produire en Chine parce que ça va être plus facile et on va consommer en Europe parce que ça va être plus facile. Et donc c'est un modèle ultra-capitalistique qui nous a mené à cela et en utilisant cette approche racisée. C'est ça qu'il faut faire sauter et il faut se battre. C'est vraiment un contre-courant et donc ce sont des pensées qui ne sont pas faciles à faire passer. Mais il faut les prendre tous les matins et il faut... que vous soyez au Parlement, que vous soyez en famille, que vous soyez à un débat. Moi, j'ai été dans un débat dans une chaîne télévisée et ils m'ont dit « Mais on n'a pas de diversité parce qu'il n'y a pas de Noirs compétents. » Et j'ai dit non, et c'était pas de la mauvaise volonté. Ben j'ai dit, on va faire, on s'est arrangé et on a fait un groupe de la diversité et tous les jours, je leur envoie deux noms de personnes de cultures différentes et qui sont spécialistes, qui sont experts. Experts en médecine, experts en entrepreneuriat, experts en finance, experts juridiques, experts. Et j'ai dit, mon combat, mon défi, c'est de leur envoyer deux noms par jour d'experts qui sont issus de la diversité. Et ce n'est pas les professionnels de la diaspora, c'est justement normaliser une situation, c'est normaliser le fait qu'il y ait des gens ici et ailleurs. Moi, j'ai rencontré en Afrique des experts de la transition énergétique magnifiques, mais on n'en parle pas. Greta Thunberg, je n'ai pas beaucoup vu de jeunes d'origine ou des jeunes africains à la télévision, et pourtant il y en a, ils ont manifesté en Afrique aussi. Il y a des jeunes africains qui manifestent pour le climat. On ne les voit pas, et donc je trouve qu'il faut... C'est quand même incroyable, ce n'est pas des minorités, hein, c'est des majorités invisibles, mais extrêmement visibles quand il s'agit de les discriminer. OK, this is why I keep you all the way to the end, because... I take a lot of time. So... C'est exactement pour ça que je vous avais posé la question en dernier. Alors, nous avons parlé des deux volets, la capacité, les compétences qui existent au sein de la diaspora africaine. Nous avons parlé des obstacles auxquels ils sont confrontés. Alors, on va boire un verre d'eau, on va respirer quelques secondes et puis nous allons nous attaquer aux solutions. Et là, je pense que ce sera exactement un bon moment. Maintenant que nous comprenons bien le problème, nous savons quelles solutions appliquer également. Il nous reste 30 minutes pour parler des solutions. Donc, on va devoir aller vite, mais tentons la chose. Et dans l'intervalle, permettez-moi d'annoncer le fait que nous avons 36 000 personnes qui nous suivent sur Facebook. Et donc, si nos débats vous passionnent, si ça vous intéresse, et là, je vous
Je vous ai promis, hein, ce serait passionnant. Donc, je vous remercie de nous suivre, de nous écouter. Bon, je vais commencer avec vous. Je vais tenter d'être concise du mieux que je peux. Bon, parlons des solutions. La diaspora africaine, permettez-moi de rappeler ce que vous avez dit. Vous avez parlé de Greta Thunberg. Une photo a été prise d'elle lors d'une manifestation à Paris pour le climat. Et puis, il y avait une photo d'une jeune fille africaine qui était sur la photo. Et un journal l'a coupée de la photo. Et c'était un exemple flagrant de cette invisibilité dont vous parliez. Il y a un mois, me semble-t-il, un grand PDG d'une banque bien connue des États-Unis a dit la même chose. Oui, bien entendu, on a besoin de la diaspora, on l'a vu près de nous, mais on ne trouve personne compétent. Donc voilà, c'est un autre exemple de ce que vous nous avez dit. Alors, quelles sont les solutions qui pourrait émaner de la diaspora, de notre point de vue? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les solutions, elles existent. Il suffit de regarder autour de la table. Vous êtes tous talentueux. Bon, j'ai promis de ne pas utiliser le terme professionnel, mais en tout cas, les talents sont là, les compétences, elles sont là. On connaît le problème, on connaît la solution. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un bon exemple, elle a fait une plateforme des entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire de visibiliser des personnes qui ont des talents. Et quand on disait tout à l'heure la diaspora, il ne doit pas y avoir des professionnels de la diaspora. Pour moi, la diaspora, c'est une force. Elle doit se constituer comme une force et doit mettre sur la scène tout ce qu'elle a de talent et de pouvoir le montrer dans tous les domaines possibles. Et donc ça, je pense que c'est vraiment la force d'une diaspora qui s'organise. Être tout seul dans son coin pour faire la bataille, c'est compliqué. On se fatigue. Par contre, quand vous avez une plateforme qui se constitue, que ce soit d'entrepreneurs femmes, que ce soit de scientifiques, que ce soit, ça vous donne la force et c'est un phénomène d'entraînement qui se crée. Mais ça ne peut pas, la responsabilité ne peut pas poser que sur les personnes qui sont discriminées. La responsabilité doit aussi poser sur ceux qui font les discriminations. Et donc, par exemple, moi, j'ai toujours été demandeuse d'avoir des blind tests dans les entreprises qui discriminent, c'est-à-dire de pouvoir envoyer des CV anonymisés, de pouvoir faire en sorte que les entreprises ne puissent plus faire des choix liés aux origines, mais des choix qui sont liés aux compétences. Donc, pouvoir obliger les entreprises à aller dans ce sens. Donc, je pense que c'est vraiment un gros travail et aussi des mécanismes de sanction qui doivent être pris clairement pour toute personne qui a des attitudes discriminantes. Et enfin, au niveau européen, moi, je pense qu'on doit beaucoup plus travailler sur la question du pacte migratoire parce que la migration telle qu'elle est mise aujourd'hui sur la table est perçue comme étant un problème. Et donc, ça renforce les comportements racistes. Et donc, il faut qu'on ait un changement de narratif sur la question migratoire. On vit tous sur la même planète. On est tous interdépendants, il n'y a pas des bons et des mauvais, et donc il faut retravailler sur cette question de la migration. Et donc en tant qu'Européens, on doit vraiment arrêter d'avoir une Europe forteresse, et le pacte migratoire tel qu'il est mis sur la table renforce cette Europe forteresse, mais on doit plutôt avoir une Europe qui est une Europe inclusive, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Aboubakar, are you there? I just want to come back to you because she mentioned the term. Je voudrais parler à Aboubakar Soumarou, revenir vers vous. L'un des plus grands défis est de transformer la migration en quelque chose de positif. Parce que la connotation négative est prépondérante sur la notion, le terme de migrant, ce qui rend la vie extrêmement difficile. Les migrants ne sont parfois plus considérés comme des êtres humains. Alors, quelles sont les solutions que l'on pourrait mettre sur la table pour aller au-delà de ce problème? Il y a plusieurs facteurs, mais il faut toujours imaginer une dimension propositive.
Mais excusez-moi un instant, je voulais retourner sur la question de la racisation. Il y a Tidiane Thiam, qui a été directeur de Suscrédit. Dans plusieurs articles qui sont apparus ces jours-ci, on parle de circonstances où, au-delà de sa condition matérielle, économique, mais il sentait cette dimension d'être noir. La question de la racisation existe, mais la dimension du capitalisme n'explique pas tout. C'est-à-dire la dimension matérialiste n'explique pas tout. Ce sont les deux faces d'une même médaille, mais qui, en fonction des différentes circonstances, se manifestent différemment. Et qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui? Je dirais qu'il faut avoir une vision. Quelle est la vision aujourd'hui vis-à-vis des défis que nous avons en face de nous? Il n'y a pas de réponse qui doit être catégorisée pour une partie de la population qui, à son tour, est catégorisée. La question de la crise climatique, c'est un défi qui nous interpelle tous. La question de la justice sociale est un défi qui nous interpelle tous. On a la question des inégalités de genre, les inégalités sociales. On a la question de la pandémie. Donc, c'est pour dire que nous avons le même destin. Il faut penser en cette perspective et non plus dans l'optique de créer, comme il se disait, des mythes, de créer des super-hommes qui ne sont pas, auxquels il n'est pas permis de commettre des erreurs. Il faut décoloniser nos mentalités. Il y a un fardeau de personnes colonisées que nous portons avec nous du point de vue psychologique. Il faut s'en libérer. Et de l'autre côté, il y a cette mentalité du colonisateur qui voit à chaque phase de sa vie, de la narration, une personne auquel on doit toujours tendre la main. Il faut s'en débarrasser, que ce soit d'un côté ou de l'autre côté. Donc, il faut penser dans une optique, nous sommes en Europe, nous sommes sur une planète où il y a l'interconnexion. On parlait d'intersectionnalité. Donc, essayons de raisonner dans l'optique d'une justice globale et non d'une justice des personnes sélectionnées où on n'a pas tous les mêmes opportunités, les mêmes possibilités. Thank you. Decolonizing the mind and... Merci. Donc, décoloniser nos esprits. Vous avez toujours le mot de sagesse. C'est une excellente réflexion. Décoloniser nos esprits, effectivement. Alors, Alain, de votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions à apporter? Si vous aviez une baguette magique, alors donnez-nous des solutions. Parlez-nous des solutions. Je sais que vous y réfléchissez beaucoup. Que peut faire la diaspora? Elle fait déjà beaucoup. Mais d'un point de vue européen, des législations que l'on pourrait mettre en œuvre. Merci beaucoup. Donc, pour ma part, on examine les défis auxquels l'Afrique sont confrontées. Le chômage des jeunes. Et quand on voit en Europe ce qu'on fait pour répondre à cette question, si on veut créer du emploi, on doit aider la création d'entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on fait en Afrique? Par contre, on ne se penche que sur la question de l'aide. Donc, vous voyez que les réponses apportées sont différentes. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On aide à la formation, etc. Mais il n'y a pas d'aide à la création d'entreprises. Et pour moi, la priorité, c'est de créer de l'emploi. Pour y arriver, il faut créer des entreprises. Alors, qu'est-ce qui est fait? Comment on peut faire? Bon, il y a deux manières de procéder. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé mon agence. Puisque personne n'investissait dans les économies locales, j'ai créé cette plateforme qui puisse faciliter
cet objectif. Donc on crée des emplois, on crée de la richesse. Et puis l'autre facette, c'est d'apporter notre connaissance sur le terrain pour les aider à prospérer, pour aider ces nouvelles entreprises à grandir. En plus de cela, nous avons besoin de politique d'inclusion. On sait où se trouvent les financements, mais il est toujours difficile de recevoir. Et donc, mon travail consiste à faciliter la vie des entrepreneurs, entre guillemets, issus des minorités, afin qu'ils puissent créer des projets pilotes et puis évaluer quel est l'impact de ces projets. Je n'ai jamais vu que les choses se passent facilement pour les entrepreneurs issus de minorités. Il faut toujours le faire deux fois. Et donc, la création de ces politiques plus inclusives, ce serait une solution efficace pour améliorer l'accès au financement et pour leur donner une meilleure visibilité. Ça apporterait des solutions concrètes à notre problème. Voilà ma contribution à cette question. On a déjà créé la plateforme et puis on a du mal maintenant à obtenir des financements. On entend beaucoup d'excuses. On est trop jeune, c'est pas le bon projet. Voilà le genre de réponse que l'on reçoit. Donc cette plateforme, elle est conçue en particulier pour les personnes qui sont confrontées à des défis pour la mise en place d'une entreprise. Donc c'est une pierre que vous avez apportée à l'édifice pour générer ces entreprises, et ça leur donne une plus grande visibilité. Et puis il y a, si les autres membres de la diaspora agissaient comme vous, c'est comme ça qu'on avance pas à pas. Alors j'aimerais me tourner vers vous. Il y a des questions de la part des personnes qui nous suivent en ligne. Alors, sur Facebook et sur YouTube également, il y a 36 000 personnes qui nous suivent. Un grand merci à vous tous. Je vais vous poser la même question. Quelles seraient vos solutions avec votre baguette magique? Que souhaitez-vous nous apporter? Si je vous disais, vous pouvez avoir tout ce que vous souhaitez pour que les bénéfices seraient les plus grands. En fait, j'avais des chiffres qui m'étaient venus en tête et je me suis dit que ce serait dommage de partir sans les partager. Et à un moment, en fait, ce qui m'a fatiguée, c'est quand Marie Arena a parlé de l'extrême droite et des discours qu'on peut entendre parfois. Et ce qu'on entend souvent, c'est ils viennent pour nous voler notre emploi, ils viennent pour nous prendre notre argent, etc. Et en fait, ce qui m'a tapé, c'était une étude de la Fondation Roi Baudouin qui disait qu'en fait, en Belgique, le groupe le plus diplômé de l'enseignement supérieur, c'est le groupe des Congolais, Rwandais et Burundais. Donc malgré ça, en fait, c'est aussi le groupe qui souffre le plus du chômage. Je rigole, mais c'est vraiment pas drôle. Avec un taux de chômage qui est 4 fois supérieur en fait à la moyenne belge. Donc en fait, on prend le travail de qui? Enfin, c'est vraiment la question que je me pose. Et en même temps, j'ai eu une autre info qui m'est venue en tête. C'était lors d'un rassemblement qui est organisé par la Voix des Sans-Papiers, qui disait qu'en fait, la régularisation massive, c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses, pas seulement parce que ces gens-là vont payer des taxes, etc., mais parce qu'on va aussi économiser de l'argent sur des frais d'institutions policières, Frontex, et enfin toutes ces institutions-là qui, en fait, coûtent vraiment beaucoup d'argent aux contribuables. Donc, en fait, j'ai envie de dire, si vraiment vous avez peur pour vos porte-monnaies, ben, en fait, rentrez les gens, enfin, il y a un moment où... Régulariser. Et le Portugal l'a fait au moment au démarrage de la crise du Covid, de manière massive. Donc, il y a vraiment des actions qui sont, je pense, envisageables. Je ne sais pas si c'est possible, parce que moi, je ne suis pas dans la politique, du coup. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont envisageables à ce niveau-là. Et je vais ajouter une dernière information. C'est que, donc je vous l'ai dit, je travaille dans une école de commerce, l'ICHEC, pour ne pas la citer, qui a vraiment une grosse expertise par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat. Et j'ai des collègues qui travaillent sur l'entrepreneuriat en Afrique. Et lors d'un midi de la recherche, une info qui est sortie, c'était que l'Afrique de l'Ouest est la zone au monde qui compte le plus d'entrepreneurs, en fait. C'est là que c'est une zone qui est hyperactive. Si on sait qu'en plus l'Afrique est l'un des le continent le plus jeune, enfin les perspectives de développement sont juste incroyables quoi. Les connaissances qui sont développées là-bas sont vraiment un ajout qui peuvent être hyper bénéfiques autant pour ici que pour là-bas. Donc je pense qu'il y a vraiment
pas d'autre solution en fait logique que de s'ouvrir dans les deux sens. Par rapport à votre question et mon réseau. Pour moi, ce qui me ferait ce qui ferait vraiment porter le réseau à un stade, beaucoup plus, qui me rendrait vraiment heureuse, en fait, où je me dirais, ok, là, j'ai fait ce qu'il faut, c'est de faire des liens, bien évidemment, avec le continent. Enfin, comme je l'ai dit, c'est il y a tellement d'opportunités dans les deux sens. J'aime pas cette idée de dire on a besoin de, en fait, le besoin, il est partout. Donc, si on pense qu'à son besoin, je pense qu'à un moment, on loupe, en fait, là où va se faire vraiment le vrai changement. Donc, c'est vraiment de faire des liens. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été dans un salon de coiffure qui s'appelle Zara Gabriel. Pour moi, c'est important de donner les noms. Et qui est tenu par Sandrine Sita, qui m'a dit qu'assez souvent, elle allait dans des forums d'entrepreneurs à Kinshasa. Et que ce qu'elle déplorait le plus, en fait, c'était un côté un peu de méfiance, en fait, de la part des entrepreneurs qui sont sur place, parce qu'eux pensent qu'on arrive avec avec nos gros sabots, en disant, écoutez, on va vous montrer la vie, on va vous montrer comment est-ce qu'on crée, on va vous montrer ce que c'est. Et en même temps, il y a aussi cette espèce de stéréotype dans lequel ils pensent qu'en fait, on est ultra privilégié par rapport à eux, qu'on a des aides pharaoniques, etc. Et je pense que tout ça, en fait, pour rejoindre ce que disait Aboubacar, peut se résoudre par un vrai travail de décolonisation des esprits. Moi, en fait, c'est vraiment quelque chose dans laquelle je suis très active et qui m'importe beaucoup. Je dirais vraiment travailler déjà sur la perception qu'on a de soi, sur la perception qu'on a. Après, j'ai pas envie de parler de l'Afrique en général parce que c'est des réalités qui sont pas les mêmes partout, quoi. Je vous ai dit, moi, je suis d'origine congolaise, RDC. Il n'y a pas de double nationalité, par exemple. Donc, faire des allers-retours entre ici et le Congo, comme d'autres pourraient le faire entre ici et le Sénégal, voilà, les opportunités ne sont pas les mêmes. Donc, parler pour un continent entier, je trouve ça un peu délicat. Mais en tout cas, par rapport à la diaspora, parce que mon réseau s'appelle Belgian Entrepreneur, et pour moi, c'est important de s'ancrer aussi dans le paysage belge, c'est de travailler sur les mentalités, autant dans notre position j'avais été une fois à une conférence où la femme disait qu'on était en fait à la marge du centre. Et puis il y a ceux qui sont à la marge de la marge. Et voilà, en fait, c'est aussi important de réfléchir à cette position-ci qui est privilégiée, sans pour autant être dans une posture supérieure. Et je pense que c'est là qu'il y aura vraiment un sentiment de confiance qui va se créer pour mieux construire, en fait. Fantastique. Again, that same concept of decolonizing the mind. Et on revient sur ce concept de décoloniser nos esprits, qu'il s'agisse du pays d'accueil, du pays d'origine, nous qui venons de pays d'Afrique, nous avons des ressources dans lesquelles nous pouvons puiser. Alors, il ne nous reste que 10 minutes. J'aimerais, dans le temps qui nous reste, demander à une personne qui est présente en ligne avec nous à voir si elle a une contribution à apporter au débat. C'est Laure d'Altilia? Si. Oui. Ok. Non, moi j'avais plutôt une question à poser en fait donc aux intervenants qui sont là. Je voulais savoir un peu si, d'après vous, la diaspora, elle peut aussi être un facteur déterminant de changement de paradigme, mais en termes de gouvernance, notamment en Afrique, parce que c'est un volet plus politique qu'on a beaucoup moins abordé depuis le début de cette conférence. Who wanna jump on that? Alors, qui souhaite intervenir? Peut-être Aboubacar? Oui, Aboubacar, allez-y. J'ai pas saisi la question. Aboubacar, la question, c'est est-ce que la diaspora peut être un facteur de gouvernance pour le pays d'origine? Donc, est-ce que vous pouvez stimuler la gouvernance dans le pays d'origine? Ok, vous m'attendez? Oui, vas-y. Alors, je dirais que il y a le dépaysé. Il y a le dépaysé. Quelqu'un qui vit à Rome ou à Bruxelles, ou à Madrid, ou à Berlin, ou Paris, et vit les mêmes préoccupations, les mêmes désirs
que les autres personnes qui vivent sur place portent avec soi la dimension de la... On parlait de double absence. Il y a une dimension de nostalgie. Donc, à chaque fois qu'on pense à ces lieux où l'on a vécu son enfance, il y a un désir d'y retourner et voir une condition d'amélioration. Et ce désir, quand ça ne se réalise pas, on est censé aussi se concentrer sur le lieu où l'on vit chaque jour. Mais le désir reste toujours, c'est-à-dire la possibilité de voir ici et là-bas s'améliorer. Voir la possibilité de voir ici et là-bas s'améliorer. Okay. La participation, le fait d'amener des bonnes idées et surtout se responsabiliser et responsabiliser aussi la politique, c'est important. On peut avoir un désir, mais il faut donner une dimension matérielle à ce désir. Okay. Raison pour laquelle je pense que ce n'est pas une question seulement de qui vit la dimension de la diaspora, mais c'est une question qui regarde l'être humain et ses rêves dont il veut voir réalisés. OK. Merci beaucoup, Aboubakar. We have maybe 5 more minutes. Il nous reste 5 minutes. Alors, je vous propose la chose suivante pour clore nos débats. Je vais faire un tour de table et je vais vous donner la possibilité de nous donner 2 mots sur le déroulement du débat aujourd'hui de la part du point de vue de la diaspora sur les sujets de diversité, d'inclusion. Alors, je vais commencer par Gertrude qui est parmi nous en ligne. Gertrude, 2 mots pour nous décrire le déroulé de la session aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux utiliser 2 phrases? Donc, j'ai 2 messages clés. Premièrement, la nécessité de promouvoir une rhétorique positive sur l'immigration, parce que quand on ouvre un journal, on ne voit que des histoires négatives. Donc, l'action serait de souligner également les avantages générés par la diversité, par la migration. Je pense que c'est le premier message clé que j'aimerais transmettre. Deuxièmement, il s'agit des politiques migratoires. Jusqu'ici, elle se concentre aussi sur les aspects négatifs de la migration. Comment lutter contre les migrants illégaux, etc. Et on met que trop peu l'accent sur le fait de nouer des partenariats et de renforcer. Voilà, c'est mon 2e message. Et si je pouvais ajouter un 3e message, ce serait d'avoir une meilleure approche structurelle pour lutter contre les inégalités. Ça a été mentionné par un grand nombre de personnes d'origine étrangère sont confrontées à des difficultés quotidiennes sur le marché de l'emploi, dans différents secteurs. Alors, comment lutter contre ces inégalités structurelles qui sont des vérités? Voilà les 3 messages clés que j'aimerais transmettre et que j'ai récolté parmi l'échange de cet après-midi. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à Alain de faire de même. Alors, mon message clé est unique. J'en ai donné qu'un, donc. On a entendu qu'il y a un programme européen, des politiques visant à renforcer le développement du continent, également l'échange des connaissances. Et puis, j'étais ravie d'entendre une plus grande participation de la diaspora et un programme qui vient en appui. Alors, ce que j'aimerais voir, ce sont des actions plus concrètes au niveau international et sur le terrain. Parce que pour nous qui travaillons concrètement, si je peux me permettre de prononcer ces mots, il y a des politiques prises au niveau international, mais qui ne nous concernent pas beaucoup sur le terrain. Et je suis ravie de voir les politiques qui émergent. Mais ma question, c'est comment moi puis-je bénéficier de ces politiques? Merci. Alors, je vois que vous êtes d'accord. Nous avons... encore une question, puisqu'il y a tant de personnes qui nous suivent. Je vais donc accepter une dernière question de la part de Rauto Ududa.
Et puis, pour les intervenants suivants, vous n'aurez vraiment droit qu'à deux mots. Les deux mots de la fin. Vous nous entendez? Rauto? On va peut-être essayer de joindre quelqu'un d'autre si Rauto n'est plus parmi nous. Bon, malheureusement, je pense qu'il va falloir clôturer. Deux mots de votre part et deux mots de vous. Un mot d'Aboubacar et puis on termine. Optimisme, parce que quand je vois les personnes ici autour de la table, je pense que c'est un discours qu'on n'aurait pas pu avoir il y a 10 ans. Mais aussi l'engagement et le combat, parce que l'optimisme sans le combat, c'est perdu. Merci. Alors moi, s'il y a deux mots qui m'ont frappée aujourd'hui, c'est le premier, c'est l'humilité. Je pense que de notre part, en tout cas de la diaspora, il est vraiment temps d'être dans une posture un peu plus humble et de voir le continent avec égalité. Et donc le second mot, c'est du coup, il est en anglais, mais c'est uplift par rapport justement au continent. Je pense qu'il y a vraiment un travail de balance à faire. Et je voudrais juste revenir sur une petite citation. C'est qu'on dit toujours, enfin, je crois que c'est un proverbe africain qui dit qu'un doigt tout seul ne sait pas ramasser du sable et qu'il faut une main entière. Mais en même temps, pour ce faire, enfin, les doigts doivent arriver en même temps. Enfin, il y a un truc d'égalité qui doit se faire pour tenir ce sable. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce par quoi je voudrais conclure, et d'aller voir Entrepreneur sur Instagram, soutenir ces femmes, c'est important. Petit moment promo. Yeah, that's what the entrepreneur does. You always. So I think the time is up. Aboubacar, if you want to just use two words, not use a sentence to explain it because we're running out of time, but like just two words, you can blurt it out and then we can go. Aboubacar, deux mots pour la fin. Aboubacar, vous avez deux mots. Ah. Oh, deux mots. Pas, même pas une vision, phrase. Action, c'est tout. Super, Aboubacar. All right. Thank you, everyone. I hope this. Merci à toutes et tous. J'espère que ces débats étaient intéressants. Je vous remercie d'avoir participé activement aux discussions. Je m'appelle Kemo Kemara. C'était passionnant d'être parmi vous. À très bientôt. Thank you.